mon cher ami, tu es le mari dans la maison. Si ta femme ne te respecte pas en tant que mari, c'est fichu, le couple est ficheux. Donc tu dois réagir. Il y a un maître dans cette maison. Pauvre type. La femme, elle ne fonctionne pas comme l'homme. Pas du tout. Et si l'homme croit qu'une femme, ça fonctionne comme un homme, c'est fichu à l'avance. Tu as des couples dans lesquels jamais le conjoint dit des mots d'estime ou des mots d'amour à son autre conjoint. Ce jour dédié pour un réfouachement, une guérison rapide et complète de Abraham Steven Ben Vivian Chaya Bezrat Hashem. Alors, la question de Daniel. Quelles sont les attentions à avoir envers sa femme? Quelles sont les attentions à avoir envers sa femme? Beaucoup d'attention. Yann Mitzvah. T'aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva a dit, c'est la loi générale qui inclut toute la Torah. Donc ça, c'est la base des bases. Et aimer son prochain, c'est tout le monde. Mais plus quelqu'un est proche, plus il faut l'aimer. Il n'y a pas plus proche que le conjoint. Ta question, je veux dire, elle va dans les deux sens. C'est l'homme, l'attention de l'homme envers sa femme, l'attention de la femme envers son mari. C'est évident. Il faut expliquer un peu plus. Nous voyons dans la réalité que Dieu a créé une réalité qui s'appelle l'homme et la femme. Pourquoi? Il aurait pu faire trois genres, il aurait pu faire un genre, d'accord? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ça devient très à la mode qu'il n'y a plus l'homme et la femme, c'est d'autres choses dont je ne peux même pas parler parce qu'on peut se faire attaquer pour ça. La fin du monde est proche, c'est clair. Hein. On est vraiment à l'époque comme avant le déluge. Et dans la Torah, hein, il est écrit que Dieu a créé le premier homme. Et après, c'est marqué, homme et femme, il l'a créé. Alors, il a créé un homme ou un homme et une femme? En fait, le Talmud dit qu'il a créé un homme qui était homme-femme. Il y avait une face homme, une face femme, un seul être. Et Dieu dit, Lotov Hayot Adam Levado, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce n'est pas bien qu'il soit un homme, homme-femme. Et il sépare. Il sépare l'homme et la femme, et de l'homme il fait un homme, et la femme il fait une femme. Il n'y a plus l'homme-femme, il y a deux êtres. La question se pose, pourquoi Dieu il fait ça? Lotov, ce n'est pas bien que l'homme soit seul, au contraire, c'était parfait. Il s'entendait à merveille. Imagine que la moitié de moi c'est une femme. Tu crois qu'il y aura un problème de shlombaït, de mésentente dans le couple? Non. Le corps pour tout. Je vais aller dans beaucoup de couples, on va aller voir les beaux-parents. D'accord? Là, on a les mêmes beaux-parents. Alors, tout le monde est d'accord, on va voir les mêmes beaux-parents. C'est pas possible que ma droite veut aller à la montagne et ma gauche veut aller à la mer. Ou que ma droite veut un rideau vert et ma gauche veut un rideau bleu. D'accord? Toutes sortes de questions qui peuvent amener des problèmes terribles dans les couples, surtout en ce qui concerne la relation avec les beaux-parents, et les beaux-enfants aussi, d'accord? Tout ça, il n'y a plus, parce que tu es un seul être. Et Dieu dit non, c'est pas bon que l'homme soit seul, on va le faire séparer. Alors si encore il aurait coupé, il aurait fait les deux êtres qui se ressemblent. Alors comme je dis aujourd'hui, il y en a qui aiment bien être en couple homme-homme ou en couple femme-femme. Dieu n'a pas voulu cela. Dieu l'a voulu homme-femme. Et l'homme et la femme sont absolument, totalement, irréductiblement, etc., différents. Donc les unir ensemble, c'est très très difficile. Est-ce qu'il y a la paix dans le couple? Très difficile. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Aujourd'hui, il y a une souffrance terrible, terrible. Il y a des milliards d'enfants qui pleurent parce que leurs enfants, parce que leurs parents soit divorcent, soit se bagarrent, soit terrible. Il eût été bien plus simple que Dieu crée un seul parent unique, homme-femme. Le Ramban Armanide dit, ne crois pas que c'est parce que s'ils étaient homme-femme, unis en un seul être, ils n'auraient pas pu amener des enfants au monde. Ils avaient des organes génitaux qui permettaient de se reproduire aussi en étant un seul être humain. Alors pourquoi Dieu y fait ça? Réponse écrite dans le verset. Lotov heyot adam levado. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que l'homme ne sera pas bon. Il va être tout seul avec son homme-femme qu'il est, d'accord? Quelqu'un lui dit, viens, aide-moi. J'ai besoin de toi, sois bon avec moi. Il lui dira, pourquoi tu viens me voir à moi? Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète Terre, va voir quelqu'un d'autre. Et lui, il peut rester en autarcie,
fermé sur lui-même, égoïste, sans devenir bon. Or Dieu, il est bon. Dieu, on ne sait pas qui il est. Une chose qu'on sait à son propos, c'est qu'il est bon. Il octroie le bien de la façon la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Il veut que l'être humain soit à l'image de Dieu, qu'on soit des dieux. Donc, il nous ordonne d'être bon. Comment je vais être bon si je fais un seul être avec ma femme? Non, parce que quelqu'un vient maintenant me demander quelque chose, je peux lui dire non, dégage, tu ne m'intéresses pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper une partie de moi-même et créer avec cela ma femme. Et l'homme et la femme ont des besoins que uniquement le conjoint peut satisfaire. Tous les mots d'estime, tous les mots d'amour, toute la chaleur qu'il y a dans un couple qui s'entend bien, on ne peut pas avoir ça de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de ça de mon mari, et le mari a besoin de ça de sa femme. Donc Dieu va créer maintenant deux êtres qui ont besoin l'un de l'autre. Et ça va obliger chacun, ça devrait obliger chacun des membres du couple à donner à l'autre, à sortir son égoïsme et à donner, devenir un donneur, pas un receveur. Et ça, c'est très, très, très difficile, parce que l'homme, il a un ego. Malheur à nous. Un ego terrible. Et il passe avant tout, même avant sa femme, surtout avant sa femme. Et la femme aussi, elle n'est pas mieux. Hein. Chacun, il a un gros ego. Elle est mieux quand même, un peu. D'habitude, elle est plus... La femme, d'habitude, elle a un ego, mais un peu moins que l'homme, qui a un ego monstrueux. Et Dieu veut qu'on casse cet ego. Qu'on casse cet ego. Et qu'on donne. Alors, donner, c'est pas quand ça m'arrange de donner. D'accord? C'est clair que dire des mots d'amour à sa femme quand on s'entend, dire des mots d'estime, c'est agréable. C'est agréable autant pour celui qui les entend que celui qui les dit. Mais donner, c'est aussi quand ça va pas. Ta femme, elle t'a manqué de respect. En public, elle t'a fait une honte, d'accord? T'as un truc vraiment, t'es un nul. Ton ego, il est touché. Ton ego, il est touché. Qu'est-ce que tu fais? Alors, si t'as pas travaillé du tout sur toi, un monstre, Goldorak. Si tu l'es travaillé déjà, tu dis, bon, c'est bien. Il faut travailler son humilité. Mais ça va, il est plus fort. Il vient de dire, mais, mon cher ami, tu es le mari dans la maison. Si ta femme ne te respecte pas en tant que mari, c'est fichu, le couple est fichu. Donc tu dois réagir. Il y a un maître dans cette maison. Pauvre type. D'accord. Et donc il tombe dans le panneau aussi de la jouer Goldorak. Il faut apprendre à s'écraser, à écraser notre ego. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la remarque à sa femme. Oui, mais pas maintenant. Pas quand tu es en situation où ton ego a été touché. Parce que quand tu le dis, ce n'est pas la tête qui va s'exprimer, c'est l'estomac. Or, ta femme, elle a aussi un ego. Elle a aussi une tête, elle a aussi un estomac. Maintenant, l'estomac du conjoint ou de n'importe qui, il est sensible à l'estomac de l'autre. Quand tu vas vers quelqu'un gentiment pour son bien, tu l'expliques, d'accord, avec raison, alors sa tête fonctionne et il t'écoute. Mais quand tu viens avec ton corps, tu es énervé contre lui, tu commences à lui dire des choses, alors ça réveille son estomac aussi. Quand j'ai l'estomac, je suis gentil, c'est-à-dire le fauve qu'il y a en nous, d'accord, une bête féroce. Elle est au calme. L'ego, maintenant, tu vas, tu le provoques, parce que ton estomac, toi, ta partie animale, c'est elle qui s'exprime maintenant. Alors elle voit devant lui une tête humaine avec un animal qui parle, d'accord, un animal à tête humaine. Alors lui aussi réagit avec un animal à tête humaine, et on finit, et c'est la bagarre. Ça, c'est quand les égaux animaux, les fauves qu'il y a en nous, s'expriment. Dieu veut qu'on écrase, qu'on maîtrise, qu'on annule la partie animale qu'il y a en nous. C'est facile à dire, mais c'est un travail, oulala, c'est le mariage. Notamment le mariage. Et au bout d'un moment, donc, tu arriveras à ne pas réagir. C'est-à-dire que la partie animale, au début, ben, elle s'énerve. Puis après, tu la retiens, probablement, elle va même plus s'énerver. Elle sera un peu touchée, quelques secondes, tac, elle baisse, voilà. Et quand tu es calme, et quand ta femme est calme aussi, tu peux dire, écoute, le jour où tu m'as dit ça en public, tu te rends compte comment tu m'as fait en public. Puis elle se rend compte aussi, elle te dit, oui, tu as raison, je m'excuse vraiment, j'essaie de plus le faire, et voilà.
Ça s'appelle un couple réussi. Pour arriver à cela, il a fallu que Dieu sépare l'homme-femme en deux êtres différents. La femme, elle ne fonctionne pas comme l'homme. Pas du tout. Et si l'homme croit qu'une femme, ça fonctionne comme un homme, c'est fichu à l'avance. D'accord, il y avait une fois un sketch écrit, un comics, d'accord, une bande dessinée. Et un mari qui parle à sa femme, lui dit, je t'ai fait ça, elle ne répond pas. Peut-être est-ce que j'aurais dû agir comme si, elle ne répond pas. Est-ce que j'aurais dû agir ainsi pour pas que ce soit comme si et que ça amène cela, elle ne répond pas. Peut-être que j'aurais éventuellement dû agir comme si pour pas que ça amène cela, que peut-être ça aurait fait cela, et ainsi ça n'aurait pas amené qu'éventuellement on serait arrivé à cette solution. Elle dit, peut-être. C'est extrêmement féminin. Une femme ne parle pas. Elle a été touchée, elle dit plus rien, elle fait la tête. Attends, l'homme, il aimerait savoir. Il aimerait savoir pourquoi. Le fait qu'il ne sache même pas pourquoi, ça, ça la met encore plus hors d'elle. Quoi, tu te rends pas compte que ce que tu as fait? Il faut que je t'explique. D'accord, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ou bien dans la même série de sketchs, j'avais aussi là-bas, le type qui va faire les achats avec sa femme, d'accord. Elle fait des exercices de respiration, d'accord, pour pas avoir les nerfs. Quand on va faire les empêtes avec la femme, il faut rester calme, d'accord. D'abord, elle mitraille avec la carte bleue, et puis c'est pas ça, et puis c'est pas ça, et puis si. Il faut rester calme, d'accord. La femme, c'est une femme, et l'homme, c'est un homme, c'est deux êtres différents, d'accord. Donc Dieu a fait ça uniquement pour qu'on travaille notre ego et qu'on apprenne à devenir humble. Humble, c'est tout. Le Maharal de Prague, il dit, quand quelqu'un il a un ego, plus son ego est grand, plus il est grand, il prend de la place, d'accord. S'il a beaucoup d'argent en plus, donc quand on lui fait les salam aleik, donc il prend beaucoup, 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 beaucoup de place. Mais la place qu'il prend est toujours dans le monde du fini. C'est pas beaucoup. Il prend un mètre, il prend deux mètres, il prend 50 mètres, d'accord, ok. Il prend 3 kilomètres, ok, c'est un gros, gros, gros monsieur, d'accord, plein d'ego, plein un ballon gonflé, enflé d'air et d'égoïsme et d'orgueil. Mais il est petit. Quand quelqu'un il est humble, dit le Maharal de Prague, il fait de lui zéro. Alors Dieu peut venir en lui. Il devient divin. Combien il fait? 5 mètres, 50 mètres, 50 000 kilomètres. Infini! Infini! Quelqu'un qui est humble, il est infini dans sa valeur humaine. C'est extraordinaire. C'est ça le travail. Donc, il y a un travail d'humilité et un travail d'être bon. Être bon, c'est faire ce dont l'autre a envie, a besoin. D'accord? D'abord, dans un couple, chacun a besoin d'estime. Tu as des couples dans lesquels jamais le conjoint dit des mots d'estime ou des mots d'amour à son autre conjoint. Jamais. Il y a beaucoup de gens comme ça. D'habitude, ils ont vu ça chez leurs parents. Alors eux, pour eux, c'est impossible de dire un mot gentil. C'est très, très difficile. Par contre, quand il y a un problème, ils parlent du problème. Donc au bout d'un moment, on s'habitue dans le couple que si quelqu'un ouvre la bouche, c'est uniquement pour faire des remarques, entre guillemets, constructives et blessantes, d'accord, à son conjoint. Et là, c'est le but de la fin du couple. Le couple va être empoisonné. Il n'y a rien qui empoisonne plus un couple que les remarques constructives. Dites de façon blessante. Si encore on fait une remarque, il faut enrober de beaucoup de chocolat. Beaucoup de compliments avant, beaucoup de mots d'estime avant, beaucoup de compliments et de mots d'estime après. Au mieux, tu mets ça, tu ne dis pas toi, tu dis nous. Ensemble, on pourrait arriver à peut-être, ce serait mieux qu'on fasse ensemble. Maintenant, si dans le couple, chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est pour faire des compliments et des mots d'estime et des mots d'amour à son conjoint, donc il y aura, on va dire en moyenne, on espère dans un couple normal, 100 mots d'amour et d'estime par jour. Si parmi ces 100, il y a une fois une remarque, ça passe. Ça passe. Personne n'aime entendre qu'il a un problème. Personne. Tout le monde aime entendre qu'il est parfait. N'est-ce pas? On a tous des problèmes, on n'est pas parfait. Mais si ma femme me dit « t'es parfait, t'es parfait, t'es parfait, t'es parfait » toute la journée, eh bien, je suis content de l'avoir. Vas-y, répète encore, ça me fait plaisir. D'accord? Attends, elle me dit, tu sais, hier quand même, tu aurais pu faire un peu autrement, c'était pas bien ce que tu as fait. Ok, j'entends, ça va. Parce que mon statut de parfait n'a pas été touché. Je suis parfait, bon, il y a un petit truc à régler. Là, je ne suis pas un ange, c'est normal. Mais si elle ne me dit jamais que je suis parfait, elle ne pense même pas d'ailleurs. D'accord? Une fois qu'il y a un problème, tu as vu comment tu as fait hier, non mais ça ne va pas, c'est crétin comme tout. Ben, je suis touché dans mon ego. Et je ne supporte plus mon conjoint. Et vu que mon ego ne peut pas accepter d'avoir un problème, alors il va répondre, toi aussi, tu n'es pas mieux que moi, toi aussi tu as ce problème-là. Et on commence à jouer au ping-pong.
Et après, à la pétanque. Et après, au missile balistique hypersonique. D'accord ? Boum, tar, boum. Et toi, et ton papa, et ta maman, et ton machin, et. Oh. Tout ça parce que l'ego était touché, il n'est pas fichu d'entendre une remarque sans réagir aussi. Comme des petits enfants. La Torah interdit de se venger. Et pourtant, c'est une nature. Regarde des enfants. Hein ? Rouven frappe Shimon. Pourquoi le frapper ? C'est lui qui a commencé. Ça, légitime de frapper. La Torah interdit cela. Il n'y a pas de vengeance. Et pour expliquer, c'est une nature extrêmement très, très, très puissante, très basique de l'être humain. Qu'on se venge. On ne peut pas accepter qu'on ait été touché sans se venger. Et dans un couple, il y a aussi des moments où on était blessé. Il faut juguler cette partie animale qui est en nous. Non, tu dis rien. Plus tard, quand ça ne fait plus rien, comme j'ai dit, tu parles. Il faut pas. Et quand un pigeon, comme on dit, d'accord, et que tout ce qui se passe, tu acceptes. Non, tu peux dire quelque chose qui, des choses qui ne sont pas bien. Mais pas quand tu réagis avec ton ego. Tu attends que ça calme, tu n'as même plus envie d'en parler. Et là, gentiment, avec beaucoup de modestie avant et après, tu parles du problème, on règle le problème. Tu peux avoir raison aussi. Mais pas en tant que réaction. Donc, pour répondre à ta question, il faut beaucoup d'humilité. Il faut accepter quand ça ne va pas. Très souvent, la colère vient. C'est quoi la colère ? La colère, c'est aussi l'ego. D'accord ? Quelqu'un se met en colère quand les choses ne vont pas comme lui, il pense. Le monsieur, qui est maître de maison, il demande que dans sa maison, ça aille comme ça. Et là, ça ne va pas comme il a dit. Maintenant, Richard, il a déjà dit ça 500 fois. Et de nouveau, tac ! Trinque. Là, c'est l'ego qui était touché. De nouveau, on ne m'écoute pas, d'accord ? Il parle un peu plus fort, ou il crie, d'accord ? Tout dépend à quel point c'est intense. Erreur, erreur. On répète, on répète, on répète. On peut répéter, on peut dire, d'accord ? Mais il faut accepter que tout n'est pas censé aller comme tu veux, monsieur. D'abord, tu n'es pas le roi du monde, d'accord ? Tu peux demander, tu peux répéter, mais tu peux accepter que ça n'est pas comme tu veux. Ça, c'est un travail sur l'ego. Énorme ! Et le don. Le don. Le don se fait dans trois axes. Le don physique. Ta femme te dit jette les poubelles. Tu fais un grand sourire, tu jettes les poubelles. Elle te dit nettoie les fenêtres, c'est difficile pour moi, tu nettoies la fenêtre. Le don de planter un clou. C'est connu que lorsqu'une femme demande à un mari de planter un clou, ça prend environ 6 mois pour que le clou soit planté. D'accord ? Tu le fais vite. D'accord ? Ça, c'est l'axe physique. L'axe rationnel, tu parles avec elle. Tu veux la connaître, parler avec elle de choses intéressantes qui l'intéressent à elle surtout. D'accord ? S'il y a un vrai quelqu'un qui lui a Torah, il fait Bava Kama, puis le soir il rentre, il commence à raconter comment ça se passe quand il y a une vache qui tombe dans un trou. D'accord ? C'est pas intéressant pour la femme. Il y a une très belle histoire de Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski, c'est le grand de la génération. Il étudiait jour et nuit, non-stop, jour et nuit. Il connaissait toute la Torah. Phénoménal, phénoménal. Après qu'il s'est marié, sa mère dit à son père, Stipler, qui était le grand Torah aussi, je crois que notre fils Chaim, il a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je ne sais pas, tous les jours, là, en fin d'après-midi, le soir, avant de rentrer chez lui, il quitte le collège, avant de rentrer chez lui, il vient chez dans la maison, il se met à la cuisine, il prend le journal et lit le journal. Jamais il a fait ça de sa vie. Je me demande s'il n'est pas une mauvaise influence de sa femme. Toujours les belles-mères, elles croient que c'est les belles-filles qui font les problèmes. D'accord ? Le Stapler, il dit, non, moi je vois Chaim, je connais, il est parfait. Je lui demanderai pourquoi il fait ça. Ah, il lui demande, il dit, écoute, je vais t'expliquer papa, je rentre à la maison, j'ai étudié toute la journée Rabbi Gevaeker, le Rashba, le Khatam Sofer, d'accord, l'histoire des vaches et des machins. Ça n'intéresse pas ma femme, Batsheva, d'accord, elle s'appelait Batsheva. Je sais pas quoi lui parler, je crois, moi je connais ce que je connais, c'est tout Torah, c'est pas les choses qui vont l'intéresser. Alors dans le journal, il y a à la fin, il y a une petite rubrique qui s'appelle « Les choses curieuses du monde ». Alors j'entre à la maison, je lis rapidement un peu des trucs comme ça, et comme ça je peux le raconter. Il y a des chats siamois, toutes sortes de trucs curieux que ce qu'il y a dans le monde, je lui raconte, comme ça elle est très contente, et moi je fais la mitzvah de la Torah, d'aimer ma femme, c'est ça qu'elle veut entendre, d'accord ? Il faut parler avec sa femme de choses qui l'intéressent. Ça c'est donc l'axe rationnel. Et il reste l'axe cœur, au niveau sentimental, exprimer l'amour. Dire des mots d'amour, dire des mots d'estime, dire des mots d'attention, être gentil, sourire. Sourire. J'ai une chose qui est très profonde, qui est écrite dans les livres.
C'est écrit dans le Talmud, je n'ai jamais appelé ma femme, j'ai appelé ma maison. Le Kohen Gadol, à Kippour, prenait un bœuf et faisait un vidouille, confession de ses péchés. Et demandait à Dieu de le pardonner. En fait, il en faisait trois. Un pour lui et sa femme. Après, un deuxième pour lui, sa femme et les Kohanim. Et un pour tout Amisraël. Maintenant, il ne dit pas, pardonne, j'ai péché moi et ma femme. Il dit, j'ai péché moi et ma maison. Pardonne Dieu, ou tout le péché que j'ai fait moi et ma maison. La femme t'appelle la maison. Pourquoi? Parce qu'on appelle la maîtresse de maison, celle plus qui gère la maison, que le mari sort à l'extérieur, il va travailler. Aujourd'hui, les femmes travaillent aussi, d'accord, mais la maison, c'est quand même le fief plus de la femme que de l'homme. Elle a dans sa nature la femme, qu'elle veut que sa maison fonctionne bien, et bien sûr, le mari, il sera heureux. Maintenant, si la femme voit que le mari revient à la maison malheureux, il fait la tête, pas à cause d'elle. En route, il a fait un accident. Après, il rentre à la maison, il a vu le bulletin des impôts dans la boîte aux lettres. En plus, dans l'ascenseur, son voisin l'a engueulé, d'accord. Il rentre à la maison, il a de quoi faire la tête. Sa femme, de façon tout à fait illogique, mais c'est une nature, elle est touchée. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle n'a pas réussi à rendre heureux son mari. Il peut dire non, c'est pas toi. Mais elle est touchée parce qu'elle veut que son mari soit heureux à la maison. Donc il y a une importance radicale, surtout dans les premières secondes quand on rentre à la maison. Il y a un déséquilibre. Elle a vécu sa journée avec tous les malheurs qu'elle a eus, les enfants, la voisine, machin, etc. L'homme aussi. Et ils vont maintenant se mettre ensemble, d'accord? Ils vont discuter ensemble. Ce moment, il est délicat parce que si chacun va commencer à déverser tous les nerfs qu'il a de la journée sur l'autre, ça va partir en cacahuète. Donc il faut se retenir, faire un grand sourire, attendre 5-6 minutes de gentillesse, de modestie et d'amour, et après, on est bien, on peut parler, chacun peut raconter tous les malheurs qu'il a eu durant la journée. La femme, lorsqu'elle voit que le mari est malheureux, elle pense qu'elle est coupable de cela. Elle a tort. Mais vu que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau naturel, c'est une chose que peut-être pas tout le monde va accepter, mais c'est une réalité que les gens qui comprennent comment fonctionne la vie reconnaîtront. Donc l'homme doit faire en sorte de rendre heureux sa femme et pas faire la tête. D'accord? Donc, il y a aussi tout le côté sentimental où il faut beaucoup satisfaire sa femme à ce niveau-là. Et dans les couples où il n'y a pas ça, c'est mort. C'est mort. Il y avait un couple, il y a environ 14 ans, qui est venu dans mon bureau, il ne s'entendait pas. Et la femme se plaignait que le mari ne lui disait jamais des compliments. Il me dit, j'arrive pas. Écoute, je te fais une liste. Moi, je t'écris la liste et tu lui lis ça. Elle dit, non, mais c'est artificiel, ça vaut rien, il faut que ça vienne du cœur. Attends, madame, est-ce que vous préférez qu'il dise rien ou qu'il lise une liste que j'ai écrite moi, c'est artificiel? Elle dit, je préfère l'artificiel que rien. T'entends? Il n'a pas fait, ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Mais ils sont incapables de dire des mots. Alors, il y avait d'autres problèmes, c'est pas à cause de ça qu'ils ont divorcé. Mais s'il y avait eu tous les mots et la gentillesse, et bien, même s'il y a des problèmes, alors ok, au moins on est unis, on est là, on s'entend. Il y a Daniel, n'est-ce pas? Je t'ai vu maintenant, franchement, tu es quelqu'un, je vois, de qualité. Hein. Quelqu'un de très très bien. Ça te fait plaisir? Bien sûr, ça te fait plaisir. Maintenant, je t'ai raconté de l'histoire parce que je ne connais pas assez suffisamment pour te dire ça, d'accord? Mais même si je te dis que je rigole, d'accord? Yosef, tu es un type impeccable. Ça fait plaisir. Même en mensonge, ça fait plaisir. Regarde les gens qui sont riches. Quand on leur fait tous les gens, quand quelqu'un est riche, les dirigeants, il a des tas de gens autour de lui qui lui font des salamalek. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que s'il fait faillite, il n'y aura plus personne autour qui lui fera des salamalek. D'accord? Il est content. Parce que même sachant que ça provient d'une raison intéressée, c'est tout du mensonge, ça fait plaisir. À ta femme. Si elle met ça d'aimer son prochain comme soi-même, que c'est la loi générale de toute la Torah, est-ce qu'il n'y a pas une personne à qui c'est plus important au monde de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour? Non, il n'y a pas plus que ça. C'est le plus important. Et Dieu, il aime ça. Quand Dieu voit que quelqu'un donne beaucoup à sa femme, il y a l'union dans le couple, alors Dieu qui est un, partout où il y a unité, Dieu vient et s'installe. On appelle Shrina Shruya Benem. La Shrina demeure entre eux. C'est de plus beau que cela. C'est écrit dans la Torah. Une des seules langues au monde
où le mot homme et femme provient de la même racine, c'est l'hébreu. Ish et Isha. Les deux ont des lettres différentes. Il y a un Yud dans Ish et un Hei dans Isha. Yud et puis Hei, ça forme le nom de Dieu, Yud-Kei. S'ils sont unis, il y a la présence divine dans leur couple. S'il n'y a pas la présence divine, le Yud, il n'est pas là ni le Hei, Dieu part, qu'est-ce qui reste? Aleph Shin, le feu d'Aliscote. Donc il y a une super grande mitzvah qui est union dans le couple, qui est beaucoup d'amour, et Dieu, il aime ça. Sans parler que les enfants, après, les enfants, quand ils voient un respect chez les parents, un amour, ça leur donne une puissance de ils sont en sécurité. S'ils voient le contraire toute la journée, pour les enfants, les parents, c'est ça les colonnes de toute leur personnalité, c'est ça qui gère leur personnalité. S'ils voient maintenant que c'est la guerre à la maison, ils sont malheureux comme tout. Et le pire, c'est qu'après, quand ils vont grandir, ils vont, de façon naturelle, adopter les comportements qu'ils ont vus à la maison. Et ça ne sera donc pas mieux. On est parti pour des générations de tordus. Donc il y a une grande histoire, un travail sur notre ego pour arriver à donner beaucoup d'amour à notre conjoint. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.